Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo concernant le mois de janvier, donc le mois de détox. Aujourd'hui, enfin cette semaine, nous allons parler des aliments à préférer et des aliments à supprimer. Puisqu'évidemment, on verra dans les prochaines vidéos tous les aliments détox, mais aujourd'hui déjà on va voir ce qu'il vaut mieux supprimer. Donc ce sont tous les aliments qui vont être plutôt lourds à digérer et qui vont entraîner des déchets toxiques pendant leur digestion. Donc tout ce qu'on veut éviter pendant une détox. Donc il s'agit des viandes rouges, des œufs, des laitages gras, c'est-à-dire des laitages à base de lait entier, donc vérifiez au niveau de la liste des ingrédients. Et puis tous les aliments qui sont riches en sucre, évidemment, vont être à éviter pendant une détox. Ensuite, tous les aliments qu'il faut préférer, ce sont en général, évidemment, les légumes et les fruits, donc on verra lesquels en particulier lors des prochaines vidéos, puisque je vais vous parler des aliments vraiment détox. Donc en général, les féculents ne sont pas à supprimer pendant une détox, mais il vaut mieux les préférer à un index glycémique plutôt bas pour éviter justement que la glycémie ne s'élève, que cela provoque un pic d'insuline et donc un phénomène inflammatoire, libération de toxines, etc. Donc très important, les aliments à index glycémique bas. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc j'essaierai de vous la mettre en lien en dessous de cette vidéo. Voilà, bon, en tout cas la détox après les fêtes, vous avez vu la semaine dernière comment ça fonctionne. Aujourd'hui, donc les aliments à supprimer et à préférer. Et puis à partir de la semaine prochaine, nous parlerons des aliments détox qui ont vraiment un effet au niveau de l'organisme et les aliments donc qu'il faut préférer. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.